Directeur central police administrative, l'inspecteur général Franz Mathurin, qui est installé pendant le week-end passé à commissaire Jean-Salvador Etienne comme nouveau coordonnateur national AI, police communautaire éducative et du pôle. Commissaire Jean-Salvador Etienne remplacé, commissaire Dimingle Wisman, non pas ça. Nouveau responsable et du pôle, dit-il, paraît pour accomplir mission, profiter, rappeler importance police communautaire par rapport à la situation difficile police la vive pendant dernier temps. Un extrait dans le micro Falon Delphine avec Bernard Marseille. L'approche communautaire joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de la police, car elle permet d'établir un lien inébranlable de confiance entre la population et la police, afin notamment d'améliorer leur sentiment de sécurité, de renforcer le système de renseignement et de lutter plus efficacement contre les phénomènes criminels et surtout la délinquance juvénile à travers les communautés. Monsieur le commissaire principal, je vous invite, dans le cadre de votre prise de fonction, à faire preuve d'engagement, de savoir-faire et de savoir-être, de probité intellectuelle, de leadership, d'intégrité, de discipline et de loyauté envers les lois de la République. Rapprocher la police de la population n'a fait jamais de mal à personne. Au contraire, chaque fois qu'on creuse la fosse, les résultats sont catastrophiques et regrettables. Cette pierre angulaire du service public, qui est la police de proximité, est indispensable pour la restauration du lien police-population. Condition sine qua non d'avoir la confiance qui est le dénominateur dominant, inévitable, pour avoir une police qui joue son rôle essentiel du service public. Aujourd'hui, la police nationale connaît une crise de confiance profonde qui s'installe au sein de la population, à raison ou à tort. La police communautaire, malheureusement ou heureusement, a cette noble responsabilité de redorer le blason de notre chère police qui n'a pas le bras vaillant de cette population. Et l'effort doit être fait par nos agents, par les supérieurs, par tout le monde et aussi avec la collaboration de la population.